Okay, we're waiting. Donc, avec... Non, 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 mais attendez, laissez tomber ça, vous allez avec moi. Bien, comme merci à toutes et à tous d'être venus nombreux. Sur cette place de la République, symbole, s'il en est, puisque, comme vous le voyez, la République tient dans sa main un rameau d'olivier, c'est le symbole même de l'UPR. Vous savez que c'est ici qu'a fut proclamée la Ve République, sur cette même place. Eh bien, nous, nous voulons rétablir la République française dans toutes ses prérogatives et nous voulons cesser d'être soumis à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Parce que la vraie France insoumise, elle est d'abord insoumise à l'Union européenne. Elle est insoumise à l'euro et elle est insoumise à l'OTAN. Tous ceux qui vous parlent d'autre Europe vous mentent. Honte à toutes les autres têtes de liste qui, pour la 40e année consécutive, vous disent qu'ils vont changer l'Europe. Ils n'ont pas le pouvoir de changer l'Europe parce que l'Europe ne peut se changer qu'à l'unanimité des États membres. Les parlementaires européens n'ont pas le pouvoir de changer l'Europe parce que l'Europe, ce sont des traités qui se négocient entre les gouvernements. Le seul pouvoir qu'ont les parlementaires qui se sont présentés devant vous depuis 40 ans, c'est en fait eh bien, d'empocher de l'argent et de se taire. Nous, si nous voulons avoir des députés européens, et je suis heureux de vous présenter à côté de moi, vous l'avez déjà vu, Zaman Ziwan, qui est la numéro 2. Et Vincent Brousseau, qui est numéro 3 de la liste. Si nous dépassons 5% des suffrages le 26 mai, 5%, eh bien nous serons tous les trois députés européens. Et croyez-moi, nous ne ferons pas comme M. Le Pen ou M. Philippot, c'est-à-dire zéro présence dans les commissions du Parlement européen. Nous ne ferons pas comme ces gens du Front National ou de M. Philippot, qui étaient quasiment tout le temps absents lors du Parlement européen, ils ne disaient jamais, n'ont jamais dit une seule fois qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Nous ne ferons pas comme M. Mélenchon, qui s'est trompé 266 fois en votant, qui a voté pour la réintroduction des farines animales, pour ensuite dire à ses troupes « Excusez-moi, je me suis trompé ». Nous serons vos porte-parole au Parlement européen. Nous ferons tout, à chaque fois que nous aurons la parole, nous dénoncerons la dictature européenne. Nous militerons pour le Frexit. Nous dénoncerons les actes de corruption, les fonds qui sont détournés par l'Union européenne pour le profit d'un certain nombre de grands groupes industriels ou financiers. Toutes les semaines, nous présenterons
sur UPR TV, nous présenterons des reportages pour vous montrer les dessous de Bruxelles et pour vous montrer que l'Union européenne est en fait une dictature qui ne dit pas son nom, une nouvelle prison des peuples. Vous me connaissez, vous avez appris à connaître Vincent, Charles-Henri qui sera cinquième sur la liste. Il nous manqua de Limoges, vous auriez pu monter Anne, qui sera la quatrième de liste, qui est notre responsable des questions d'éducation. Ah ben si... S'il y a 7% des suffrages, nous serons tous les 5 présents à Bruxelles. Et puis je veux vous dire que ça va déménager. Parce que nous, nous avons la solution. Nous ne vous promettons pas une autre Europe. Nous serons les porte-parole du Frexit, c'est-à-dire pour libérer la France de l'Union européenne. Aidez-moi, Zaman. Nous allons ouvrir ces menottes. Voilà. Frexit, Europe, soumission, Frexit, solution, Europe, soumission, Frexit, solution, Europe, soumission, Frexit, solution, Europe, soumission, Frexit, solution. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir ici quelques-uns des responsables britanniques partisans du Brexit qui étaient venus à notre réunion de Londres. Je vais leur donner la parole dans un instant, mais auparavant, pour que vous ne m'écoutiez pas moi seul, je voudrais donner la parole à Zaman Ziwan, numéro 2 de la liste, pour qu'il s'adresse à vous et qu'il vous donne un encouragement pour voter pour notre liste et pour faire voter. Et ne croyez pas les sondages, parce que où sont les instituts de sondage? Où sont-ils? Lorsque Madame Loiseau, lorsque ce titan de la pensée politique contemporaine, qu'est Madame Loiseau, arrive à faire 80 personnes dans une salle, elle a tous les médias avec elle. Lorsque nous faisons, comme l'autre jour, à Strasbourg, 700 personnes, France 3, qui était en face, n'est même pas daigné faire le moindre reportage. Où sont les instituts de sondage? Je donne la parole à Zaman Ziwan, qui va, j'en suis sûr, vous donner envie de voter pour elle. Merci. Bonjour Paris! Bonjour la France! Je suis si fière d'être ici parmi vous tous pour célébrer, pour participer à cet événement historique qui marque l'acte 2 de la libération de notre pays. Vous verrez que bientôt, vous pourrez raconter avec fierté à vos enfants, mais aussi à vos petits-enfants, que vous faisiez partie de ceux qui avaient compris avant les autres, mais aussi de ceux qui se sont battus pour les autres. Comme vous le savez tous, quand nous parlons Frexit autour de nous, nous sommes parfois raillés, moqués, incompris. Mais sachez que les choses vont bientôt changer. Les choses changeront bientôt le 26 mai prochain, lorsque le seul parti de France qui défend réellement les intérêts des Français, le seul parti de France capable de sauver la France et de rendre sa liberté au peuple français, ira au Parlement européen en votre nom à tous et pour votre intérêt à tous. Il est temps que nous rendions à la France ses valeurs et sa grandeur. Et tout ça, vous le savez déjà, ne se fera que grâce à vous tous. Donc évidemment, mobilisez-vous, mobilisons-nous tous
26 mai afin que ce 26 mai prochain soit la poursuite de cet acte 2 de la libération de la France. Merci à tous, vive! Vive la France, vive les Français libres et vive l'UPR! Merci! Je vais donner maintenant la parole au numéro 3 de la liste, Vincent Brousseau, que vous connaissez, notre grand responsable, un des meilleurs experts intergalactiques de l'euro. Vincent Brousseau. Bonjour. J'avais fait aussi la campagne électorale de 2014. Il y a un truc qui a changé. La taille, peut-être. Je ne me rappelle pas d'une foule inondant la place de la République. Non, à cette époque, on était plutôt à faire des petites réunions sous des préaux qui pouvaient accueillir 30 personnes, peut-être. Peuple de France, reprends en main ta destinée. Ça allait là pour le volume? Non, on a pas mal progressé pendant ces 5 ans. C'est le moment de marquer l'essai. Faites voter autour de vous. Dites votez Zaman. Ils vont dire Zaman c'est qui? Vous montrez une photo. Dites votez Asselineau. Ils vont peut-être pas oser dire Asselineau c'est qui, encore qu'on ne sait jamais. Montrez aussi une photo. Mais expliquez ce qu'on fait. Expliquez qu'on sauve le pays. Expliquez qu'il faut bien qu'il y en ait qui commencent. Et amenez-les à voter pour nous. Parce que je vous garantis que si vous expédiez François Zaman et moi-même au Parlement européen, eh ben on va les taquiner. Je donne la parole à Charles-Henri Gallois, notre responsable des questions économiques. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Aujourd'hui, mon message est simple. Je voulais faire un appel à tous ceux qui veulent se libérer de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais qui, pour le moment, ne votent pas encore UPR. Je sais qu'il y a des sympathisants, par exemple, à la France Insoumise ou au Rassemblement National, qui sont pour le Frexit. Nous avons des divergences. Ils croient encore, alors que le référendum de 2005 l'a montré, on ne peut pas sortir de l'Union européenne par la gauche ou par la droite, ils croient encore qu'on pourra le faire. Et je voudrais inviter tous ces gens-là, ça ne sert absolument à rien à ce que le Rassemblement National ou la France Insoumise ait un ou deux députés de plus. Ça ne changera absolument rien. Vous savez très bien au fond de vous-même que ces deux partis ont renoncé au niveau de leurs instances dirigeantes à se libérer de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et donc ce que je vous demande, si vous voulez même que l'idée de Frexit progresse au sein du débat public français, progresse même au sein de vos formations politiques, votez massivement pour l'UPR le 26 mai prochain.
Rappelez-vous de l'exemple britannique. Nous avons Monsieur Bolton, qui est un ex-leader de UKIP. Comment le Brexit s'est infusé dans la société britannique? C'est parce que le UKIP a fait des scores immenses au Royaume-Uni et aux élections européennes que les autres partis, que le Parti conservateur, se sont emparés du Brexit et ont fait ce référendum. Donc je vous demande à tous de faire pareil le 26 mai. Pas une seule voix pour le Frexit ne doit manquer à l'UPR le 26 mai prochain. Merci. Je voudrais en profiter pour remercier la présence de partisans de l'Union populaire républicaine qui sont expatriés, qui vivent à l'étranger et aussi d'étrangers. Et je voudrais notamment remercier ici la présence de certains amis venus de Suisse. La Suisse est un petit pays de 9 millions d'habitants, grand comme la région Rhône-Alpes. Et la Suisse a sa propre monnaie. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. La Suisse n'est pas dans l'euro. La Suisse n'est pas dans l'OTAN. Et la Suisse est l'un des pays, sinon le pays, où il fait le mieux vivre dans le monde. Et je sais que nous avons nos amis suisses qui nous écoutent et qui nous suivent. Amis suisses, ne tombez jamais dans le piège que vous tend votre propre oligarchie. Refusez toujours d'entrer dans l'Union européenne, dans la prison des peuples. Je voudrais remercier aussi des amis venus de Belgique, j'en ai vu dans l'assistance. Alors eux, malheureusement, ils sont comme nous, ils sont tombés dans la prison des peuples. Mais je sais qu'en Belgique aussi, notamment dans la partie de la Wallonie, beaucoup nous suivent. Merci à eux d'être venus parmi nous. Et bon courage aussi pour le Brexit. Je voudrais remercier également la présence de personnes venues du Québec. On voit ici un drapeau du Québec, de la belle province. Parce que nos amis québécois, ils savent ce que c'est qu'être emprisonné dans une fédération qui vous muselle. Et nous saluons tous les partisans ici de l'autonomie et même du Québec libre. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir nos amis britanniques qui sont venus de Londres exprès pour nous soutenir et qui étaient présents lorsque nous avons organisé le 29 mars dernier notre grande réunion qui s'appelait La France libre de nouveau à Londres. C'était et à la Church House Westminster, juste à côté de Westminster. Nous avons eu une très belle assemblée. Elle n'a été gâchée que par une seule chose. C'est parce que les opposants du Brexit ont fait déraper ce qui devait avoir lieu ce soir-là le 29 mars. Normalement, le 29 mars, le Royaume-Uni devait sortir de l'Union européenne. Et comme vous le savez, ça n'a pas encore été le cas. Notre réunion d'aujourd'hui, c'est pour leur apporter tout notre soutien, en espérant que Mme May et que l'oligarchie britannique va enfin respecter le suffrage universel et que le Royaume-Uni va sortir maintenant au plus vite de cette prison des peuples. Certains, je voudrais appeler à la tribune le docteur Lee Rotherham, qui est le fondateur de l'organisation The Red Cell. Il a été le directeur des projets spéciaux du mouvement Vote Leave au moment de la campagne de 2016 pour le Brexit, qui a gagné donc le référendum en Grande-Bretagne, et il est actuellement le directeur exécutif de Veterans for Britain. Le docteur Lee Rotherham a eu un rôle clé dans la campagne en faveur du Brexit. On l'applaudit bien fort. Hello Paris! Salut les Parisiens! Et les autres, salut le monde! I do like a good bus. This is not a bus, mais c'est rouge! I've come all the way from Brexit Land. Vous la connaissez, Brexit Land? C'est juste comme Disneyland à part trois différences. D'abord, ce sont des vraies montagnes russes à négocier qui se terminent jamais. Deuxièmement, la gestion est encore plus grognonne.
Et troisièmement, quand on est obligé de payer les grands sous, c'est à la sortie qu'on est piqué. Je plaisante, mais maintenant, chez Brexitland, nous luttons encore pour y parvenir. D'attendre le point où on livre enfin le résultat de notre référendum, de notre sondage national, pleinement notifié. On appelle cela la démocratie. Notamment, normalement, dans l'Union européenne, les élites écoutent seulement quand ils ont gagné. C'est la notification formelle, la notarisation. Autrement, ils annoncent que le peuple s'était trompé, ne comprenait rien. Et il faut à ce moment-là poser la question. Je me rappelle d'une petite histoire de l'amiral Horatio Nelson. C'était en 1801, à la bataille de Copenhague contre les Danois. Donc je peux le citer aujourd'hui sans trop d'embarras. Son chef l'avait commandé de faire une retraite à cause du feu intense de l'ennemi. À l'époque, les messages étaient envoyés à travers la flotte par les drapeaux. L'un de ses officiers lui indiquait qu'il y avait des nouvelles instructions. Alerte à la stratégie essentielle du moment, Nelson quand même a levé son télescope à l'œil aveugle et annoncé qu'il ne voyait pas de message. I really do not see the signal. À notre époque, il y a trop de nos chefs politiques et bureaucratiques, à Bruxelles surtout, qui ont, d'une fréquence audacieuse, choisi de ne jamais voir les signaux. Mais eux, ils sont aveugles, sourds, pour des raisons d'égoïsme de système. Cette fois-ci, pourtant, la public est éveillée. On connaît la technique. On a vu la forme en France et aux Pays-Bas avec le traité constitutionnel. En Irlande avec Nice. Au Danemark avec Maastricht. On connaît la tradition. On en est déjà rayon. On en est déjà alerte. Chers amis, je suis venu ici pour vous remercier. Je ne parle pas seulement de ma collection de musique francophone. Plutôt, je salue Marianne aujourd'hui parce que je ne l'oublierai jamais comment l'UPA nous a exprimé le soutien lors du référendum. Votre fraternité. Lors de notre grand débat, nos chefs de statu quo, oui, certes, enfin, nos chefs de statu quo ont tiré toutes les ficelles diplomatiques pour convaincre les Anglais qu'on était isolés. Ils ont échoué grâce à nos amis. En tant que vétéran de la grande bagarre eurosceptique depuis une vingtaine d'années, je me rappelle d'anciens combats à Bruxelles. C'est une lutte qui a duré longtemps et c'est une lutte partagée. Ce sont les efforts de citoyens outre-manchiables qui ont tous confiance en leur propre capacité de se gouverner. C'est choquant, n'est-ce pas, qu'il y ait des gens qui tiennent cette pensée comme révolutionnaire. Mais il faut maintenant trouver des solutions intergouvernementales entre nous. Des solutions d'association libre, d'alliance flexible et de coopération volontaire. Bref, de retrouver De Gaulle. Il m'a longtemps paru absurde que la Commission européenne, chargée de détruire les monopoles, tient à soi la plus grande monopole de tout, celui sur la destination politique de notre continent. Il faut une autre façon de se coopérer dans les domaines internationaux, sans les menottes, sans l'absolutisme du Parlement. Il faut donc une politique de concurrence pour Bruxelles. C'est du boulot, non? Ouais, mais ensemble, nous y parviendrons. Je vous dis alors, à bas le franglais, mais vive le Frexit. God bless you all today, and Godspeed. Thank you so much, Dr. Lee Rotherham. Thank you also for having spoken in French for our French audience. And now I'm calling Mr. Henry Bolton. Henry Bolton, qui est un ancien
leader du UKIP, et qui est désormais à la tête du mouvement One Our Nation, notre nation. Monsieur Bolton va s'exprimer en anglais et nous aurons une traduction simultanée, enfin consécutive. Merci, merci. Ladies and gentlemen, people of Paris, people of France. Mesdames et messieurs, de Paris, de France. As the former leader of UKIP and the leader of the Our Nation Party of Great Britain, from one Brexiteer to you Frexiteers, good afternoon. Je vous salue. Je suis l'ex-leader du UKIP et maintenant je suis le leader des Our Nation. Je vous salue, Frexiteer. You know, in Britain, we believe in ourselves as Englishmen. In France, you believe in yourselves as French. Vous savez, au Royaume-Uni, on croit en nous-mêmes en tant que Britanniques. Ici, vous croyez en vous-même en tant que Français. For nearly 200 years, our two countries have been the closest of allies and friends. Pour plus que 200 ans, nos deux pays étaient très proches en tant qu'alliés et amis. Monsieur Arsenault came to London to support us, and we are here to support you. Monsieur Arsenault est venu nous soutenir au Royaume-Uni et nous sommes venus ici pour soutenir aujourd'hui. Our two great nations, in our different ways, have spread the concepts of liberty and justice across the globe. Nos deux nations ont utilisé les concepts de liberté et de justice qui s'est connu un peu partout dans le monde. It is in that spirit that we are gathered today. Et c'est dans cet esprit aujourd'hui qu'on s'est réunis. We are two great nations that have the right to feel free, confident, optimistic and prosperous. Nous sommes deux grandes nations qui avons le droit de se sentir libres, justes, optimistes et prospères. I know you agree with me when I say to you, we do not need unelected, unaccountable bureaucrats in Brussels telling us how to do things. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'on n'a pas besoin des personnes qui sont à Bruxelles, qui ne sont pas élues, qui ne rendent compte à personne pour nous guider. I am sure you watch with horror, as I do, what is happening back in London. Et je suis sûr que vous suivez tout ce qui se passe à Londres avec de l'horreur. Theresa May says Brexit means Brexit. Theresa May dit Brexit, ça veut dire Brexit. Don't believe her. Mais ne la croyez pas. Do not believe the leaders of any institutions in your country either when it comes to the European Union. Et croyez pas les leaders ni dans votre pays ni ailleurs quand il s'agit de l'Union européenne. Theresa May means that we stay in the European Union in everything but name, and that is not independence. Et Theresa, ça veut dire qu'on reste dans l'Union européenne dans tout sauf dans les noms, et ça, c'est pas l'indépendance. She is betraying the result of the greatest, the largest exercise in democracy ever held in the islands of Great Britain. Elle trahit l'exercice démocratique le plus grand qui a jamais eu lieu au Royaume-Uni et dans les îles. 17.4 million people voted to leave the European Union. 17,4 millions de personnes ont voté dans les îles britanniques pour quitter l'Union européenne. We did not say with a deal, without a deal, with a little bit of a deal. Under Theresa May's terms, we voted to leave!
Et on n'a pas dit, on veut partir un petit peu, un peu plus, avec un accord, sans accord, on veut juste partir. And I believe that you believe, as I do, that the only leaving of the European Union is one that leads to the full independence in all areas of law, government and public administration. Anything else is not good enough. Et je suis sûr que vous croyez tout comme moi que quitter l'Union européenne partout, ça veut dire la vraie indépendance au niveau juridique, au niveau public et tout le reste, ça ne nous suffit pas. So let us set that same standard in Britain and in France. Let's go forward in partnership in that spirit. Independence means all areas of law, government and administration. Et partons en partenariat ensemble pour quitter en indépendance dans le secteur de loi, du gouvernement, du public, partout. But ladies and gentlemen, freedom is not one battle. You must never, ever give up the fight. When you think freedom is there, you have to protect it. Mais la liberté n'est pas une seule bataille. Quand on pense liberté, il faut la protéger toujours. And as in Britain, it is happening in France. Small bands of men and women gathered together under one banner. And people have gradually grown and moved towards that banner. And in Britain we have a huge movement and yours is growing too. Et comme au Royaume-Uni, on a eu des banderoles, on a eu des personnes qui se sont réunies sous les drapeaux, des ruisseaux qui se sont réunis, et ça fait un grand mouvement, comme ici en France. Some of you may say that the challenges are huge, that there are great forces arrayed against you, your own government, your own institutions, foreign governments, money, the media, and all of the financial and political resources of the European Union. They are all against you. Et on va vous dire qu'il y a beaucoup de challenges. On va vous dire que même votre propre gouvernement est contre. Les institutions, l'argent, les médias, les ressources financières de l'Union Européenne, tous sont contre vous. However, like you, I know something of the history of our great nations. And we will stand firm. We will not be deterred. Et on va rester ferme, comme vous, l'histoire de notre grande nation. On ne va pas céder. And we in Britain, as you will have to do here, are fighting against the cowardice, the treason, and the treachery, and the betrayal of your own government and your own elected members of Parliament. Et nous aussi, au Royaume-Uni, comme ici, on se bat contre la trahison contre les membres élus qui se trouvent dans les parlements et qui nous ont trahis et qui sont faibles. And what we see across the whole of the European Union is a revolution. And our governments would be wise to take notice. Et on voit partout en Europe il y a des révolutions et nos gouvernements devraient bien prendre compte. We shall not allow a faceless, unaccountable supranational authority to undermine our sovereignty, our history, our traditions, our character, or our identity. On ne va pas permettre à une force supranationale de nous priver de notre souveraineté, de notre histoire, de notre caractère, de nos identités sans nous rendre compte. And any government or any politician who stands against the defined will of the people had better look out, because we are not giving in, never! Et tout gouvernement, tout homme politique qui veut s'opposer à la volonté du peuple, il doit faire attention, parce qu'on n'arrêtera jamais. We are proud! On est fiers! We are patriotic! On est des patriotes! And we are right! Et nous avons raison, nous sommes droits. And we shall prevail. Et nous allons gagner. In France and us in Britain. Vous ici et nous au Royaume-Uni. Free France starts here. La France libre commence ici.
Thank you so much, Mr. Bolton. And now I'm calling Mr. Brian Denny. Brian Denny, Brian Denny, nous le connaissons. C'est un syndicaliste britannique. Il est où, Brian? Ah, voilà. Brian Denny, qui est déjà venu à nos universités d'automne, que vous connaissez. Il est à la tête du Trade Unionists Against the EU, c'est-à-dire, il est à la tête des syndicalistes contre l'Union européenne. C'est un syndicat de gauche, je crois, et qui a mené bravement la bataille contre l'Union européenne et pour le Brexit au Royaume-Uni. On l'applaudit bien fort. Merci, Brian, d'être parmi nous. Thank you. It's an Merci honor to be here. C'est un honneur d'être là aujourd'hui. And I bring salutations on International Workers' Day. Et je vous apporte des salutations dans la Journée mondiale des travailleurs. And I bring a message of solidarity from the millions of trade unionists in my country that voted to leave the European Union in 2016. Et je vous apporte un message de solidarité des milliers et des millions de syndicalistes dans mon pays qui ont voté en 2016 de quitter l'Union européenne. They voted to leave because social Europe is a lie. Et ils ont voté de partir parce que l'Europe sociale, c'est un mensonge. The European Union does not give you workers' rights, it does not give you social rights. They are taking them away, they are robbing you of them. L'Union européenne ne vous donne pas des droits des travailleurs, les droits sociaux, ils sont en train de vous les voler. 3 years ago, the British people returned the biggest democratic mandate in history of our country. 17.5 million people voted to leave. Il y a 3 ans, 17 millions et demi de Britanniques ont voté de quitter l'Union européenne. C'était l'exercice la démocratique la plus grand au monde. In order to be a self-governing nation once more. Pour devenir une nation qui se règne elle-même. A year later, we had a general election and 85% of voters supported parties that claimed to promise to deliver Brexit. Et une année plus tard, il y a eu des élections. Et dans ces élections, 85% des électeurs ont soutenu les partis qui voulaient soutenir les manifestes de partir et réaliser le Brexit. Last year, 500 MPs voted to trigger Article 50 for Britain to leave the European Union in March 2019. Et l'année dernière, 500 membres du Parlement, ils ont voté l'article 50 pour que l'Union européenne, les Britanniques puissent quitter l'Union européenne en mars 2019. And then the political class united to ensure that would never happen. Et du coup, la classe politique s'est réunie pour s'assurer que ça n'arrivera jamais. First, there was a withdrawal agreement that did not make us leave the EU, but left us in the stranglehold of its institutions. Tout d'abord, il y avait un accord de partir, mais qui nous piégeait dans les sens de l'Union européenne. And then Parliament showed itself to be little more than a lobby group for Remain. Et du coup, le Parlement s'est montré que c'était rien d'autre qu'un lobby des personnes qui voulaient rester. MPs have lied to us. Les membres du Parlement nous ont menti. Parliament has betrayed us. Le Parlement nous a trahis. But the people have yet to speak. Mais les gens ont encore le droit de parler. The level of anger in my country is obvious. And the people are blaming the political class, and rightly so. On sent beaucoup de colère dans les rues dans mon pays. Et on a raison de réclamer que la classe politique doit faire quelque chose. Democrats always knew that the enemy would fight back. Et les démocrates savaient toujours que l'ennemi allait riposter. And thanks to this counter-revolution, my country is now in a state of civil war. Et grâce à cette contre-révolution dans mon pays, on se trouve dans un état de guerre civile. Our side believes in self-government and the right to decide our fate as an independent nation. Nous pensons que nous avons le droit de nous gouverner nous-mêmes et le droit de décider pour notre destin. Their side believes in an autocratic, anti-democratic, neoliberal superstate.
Et de leur côté, ils croient qu'il faut rester dans une corporation, un super-État qui n'a jamais été démocratique, où il n'y a pas de liberté, et c'est juste le passé. Next month, we celebrate an important anniversary. L'année prochaine, on va fêter... 75 years ago, on June 6, 1944, the D-Day landings began. La commémoration des 75 ans du D-Day le 6 juin 1944. And British and French forces united to rid Europe of fascism. Et les forces britanniques et françaises se sont unies pour se débarrasser du fascisme. And we must pay tribute to that wonderful generation that gave everything, including their lives, so that we may be free. Et il faut payer un tribut et respecter cette génération géniale qui nous a tout donné et qui a tout sacrifié, même leur propre vie, pour qu'on puisse être libre. But we were almost partake as an inspiration because they understood that they could fight tyranny and they could win to build a better world. Mais il faut qu'ils nous inspirent car ils ont tout donné, ils ont compris qu'il faut se battre contre la tyrannie pour pouvoir gagner et créer un nouveau meilleur monde. A world based on democracy with the right of nations to self-determination, free from outside interference, as enshrined in the United Nations Charter. Un monde qui est basé dans la démocratie avec les droits des nations de se autodéterminer, libre de l'extérieur des interférences et des ingérences, et où on respecte la charte de l'ONU. The European Union has declared war on the nation state. L'Union européenne a déclaré la guerre contre l'État-nation. And seeks to turn us into vassal states of an empire ruled by an unaccountable and corrupt institutions. Et ils essaient de nous soumettre en tant que pays qui font partie d'un empire dans une situation où les institutions sont corrompues et qu'ils rendent compte à personne. Commissioner Prodi even boasted himself that the EU had the dimensions of empire. Le commissaire Prodi, il s'est vanté qu'on se trouve dans une Union européenne qui a la dimension d'un empire. Well, the diverse peoples of Europe are beginning to wake up. And because we learn from history, all empires create the seeds of their own destruction. Et nous on se soulève parce qu'on sait que tous les empires on ne crée rien d'autre que la destruction. And they die unloved and unwanted. Et moi, je vais continuer, je vais pas mourir. They can never undo the glorious Brexit vote of 2016. Ils peuvent jamais arrêter le vote glorieux de 2016. We will never surrender to this tyranny. And we will stand with you today and forever. Et on va jamais lâcher. On va vous supporter contre cette tyrannie et on va rester avec vous aujourd'hui et pour toujours. Vive democracy! Vive sovereignty! Vive Brexit! Vive Brexit! Vive France! Okay, thank you! Brexit, Brexit, Brexit! Donc je voudrais appeler maintenant notre dernière intervenant venu du Royaume-Uni qui était venu nous soutenir également à Londres lorsque nous étions nous-mêmes allés soutenir les Brexiteurs. I welcome Mrs. Lucy Harris. Lucy Harris qui a été la fondatrice d'un mouvement citoyen qui s'appelait d'abord Leavers of London, c'est-à-dire les partisans du Brexit à Londres. Et puis devant le succès, elle a étendu ce mouvement citoyen à Leavers of Britain, c'est-à-dire pour avoir un soutien citoyen parmi tous les électeurs britanniques qui voulaient sortir de l'Union européenne, des partisans du Brexit et contre eux, et qui souffraient d'une espèce de propagande intense contre eux. Elle a été à la pointe de ce combat, et aujourd'hui, elle est dans le mouvement UKIP de Nigel Farage, je crois. Dans le nouveau mouvement de Nigel Farage qui s'appelle le Brexit Party, dont vous avez vu d'ailleurs que les sondages indiquent qu'il devrait être d'ailleurs, il devrait écraser le Parti conservateur et le Parti travailliste aux prochaines élections européennes.
Merci, merci. Bonjour, je suis Lucy. So hi everyone, it's great to see you all here today. I didn't realize there were so many Frexiteers. Bonjour. Ça me fait très plaisir de voir autant de personnes ici aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y a autant de personnes qui sont pour le Frexit. So don't ask me what's happening with Brexit, because quite frankly, I don't know. Et ne me demandez pas qu'est-ce qui se passe avec le Frexit, parce qu'honnêtement, je ne sais pas. I don't know. So we voted to take back control, and yet we are still ignored. I've joined the Brexit Party recently, because I believe that it is the only way to make our voices properly heard and stand up for democracy in our country. On a voté pour quitter l'Union européenne et pour prendre contrôle, mais nos voix sont ignorées. Mais finalement, on a créé le Brexit Party et notre voix commence à s'entendre et on est en train de s'élever. For the past 2 years, 3 years now, I've been going around the country and talking to ordinary people across the UK, and they are absolutely furious with what's happening right now in our country. Pendant ces 3 dernières années, j'ai fait le tour du Royaume-Uni et j'ai parlé avec des gens ordinaires un peu partout. Ils sont tous furieux parce qu'ils disent « c'est pas possible ce qui se passe dans notre pays ». I've tried to encourage them to grow confidence in themselves and in their communities, to be able to stand up for what they believe in. And what I've seen is that by themselves, with their own initiative, they've done protests, they've been leafleting, they've been marching, they've been emailing their local MPs, and that, quite frankly, is amazing, that ordinary people are starting to stand up for themselves. Et c'est très impressionnant, car des gens ordinaires, ils commencent à avoir confiance en soi, ils commencent à distribuer des tracts, à écrire aux membres du Parlement, à parler les uns aux autres, à faire un tas d'initiatives, et ça c'est impressionnant. And they are gaining their confidence back from 40 years of not being allowed to say anything against the EU. And that's what this is all about. Not just confidence in your country, but confidence in yourself. To take that responsibility, to make the country you dream of into a reality. And that is democracy. Depuis 40 ans, on n'avait pas droit de parler contre l'Union européenne. On reprend conscience à soi, on s'organise, on peut prendre la responsabilité et réaliser le pays de ses rêves. Et c'est ça la vraie démocratie. And it might be scary taking back control and actually doing something physically for something you believe in. I'm scared too. I'm terrified of running in the EU elections. But what gets me through was a person who was braver than myself. Et ça m'inquiète parfois, ça me fait même peur, je suis terrifié de devenir candidat au Parlement européen. Mais ce qui m'inspire, c'est une personne qui m'a parlé. She taught me to believe in myself, to say no, to stand up for what's right, and to stand up to bullies. That I don't have to do something I don't want to do. She taught me to be defiant. Cette personne m'a dit qu'il faut croire en moi-même, à savoir dire non, à ne pas accepter ce qu'on me dicte, de me lever et décider moi-même et faire ce qu'il faut faire sans me laisser intimider, car je dois dire ce que je pense. But what she really taught me is that people matter and communities matter. Mais ce qu'elle m'a appris, c'est que les gens sont importants et la communauté, elle est importante. And if you cannot find the confidence to make your own personal voice heard, then make it your civic duty to make other people's voices heard. Make it your civic duty to make your communities heard. Et si tu n'arrives pas à trouver assez de confiance en toi-même pour parler, si tu n'arrives pas à faire entendre la voix de ton cœur, fais ton devoir civique pour que les autres, on les entend, pour que les communautés puissent s'exprimer, qu'on puisse avancer. Everybody here can find the confidence within themselves to start making things happen for Frexit.
I genuinely believe that this is a movement that can go somewhere. I'm so excited for you all starting your journey. And all I can say is vive la France, vive le peuple. Et le Frexit, c'est un voyage. Il faut aller, il faut avancer, avoir confiance en soi, car c'est tout un voyage. Et vive la France, vive le Frexit, vive le peuple. Thank you so much. J'ai offert un rameau d'olivier à Lucy Harris qui se bat et qui a été vraiment à la tête d'un grand mouvement citoyen. Je la félicite parce qu'elle est partie, un peu comme nous, elle est partie de zéro et elle a largement contribué à la victoire du Brexit au Royaume-Uni. Alors, je voudrais, avant de conclure cette grande journée, en vous remerciant tous d'être venus si nombreux, apporter quelques précisions. D'abord, ne pas oublier ici, puisqu'on fait aussi de la politique intérieure, on ne fait même que ça, eh bien, je ne voudrais pas que l'on se quitte sans avoir eu un mot pour toutes les victimes des violences policières de Macron depuis le 17 novembre dernier. Nous n'avons jamais vu. Démission. Démission. On n'a jamais vu dans la République depuis au moins 40 ans, depuis peut-être la guerre d'Algérie même, on n'a jamais vu un gouvernement en temps de paix se comporter de cette façon avec le peuple français, avec un bilan qui se chiffre maintenant en dizaines de personnes qui ont été mutilées à vie, tout simplement parce qu'elle manifestait librement dans un pays qui normalement doit être libre. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui se lève ce mouvement qui est le nôtre. Quand nous serons députés européens, nous participerons au développement de l'UPR et je vous promets aujourd'hui que le jour où nous arriverons au pouvoir, nous leur demanderons des comptes à tous ceux qui ont fait ça. Nous demanderons des comptes à Macron et à sa clique. Nous demanderons des comptes à ceux qui vendent la France par appartement. Nous demanderons des comptes à ceux qui trahissent les idéaux de la République française. Nous demanderons des comptes à tous ceux qui veulent faire dresser les uns contre les autres les différentes communautés à l'intérieur de la grande communauté nationale. Vous avez noté que pendant notre parcours, il y avait différents drapeaux. Bien sûr, le drapeau bleu, blanc, rouge, celui de la République. Mais nous avions également ce drapeau, le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, parce que nous ne voulons pas que Macron cède le siège permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que c'est de la haute trahison! Parce que c'est son projet de trahir la France. Et puis nous avons un autre drapeau moins connu qui est le drapeau de la francophonie. Parce que la France a d'abord et avant tout des liens avec tous les pays francophones du monde qui, pour la plupart d'entre eux, furent des anciennes colonies. Mais maintenant, nous ne sommes plus autant des colonies. Nous sommes au troisième millénaire et nous devons avoir des liens d'amitié, de coopération intense avec tous les pays de la francophonie qui nous sont si chers. Je voudrais conclure avec un
message qui nous est parvenu d'un Britannique, Lord Norman Tabet, et qui est un homme politique britannique de tout premier plan, et qui a occupé les fonctions ministérielles de secrétaire d'État, puis de secrétaire d'État au commerce et à l'industrie dans le gouvernement de Margaret Thatcher, avant de devenir président du Parti conservateur à la fin des années 80. Il avait d'ailleurs failli remplacer Margaret Thatcher au poste de Premier ministre en 1990. Lord Tabet, qui est maintenant retraité bien sûr, nous a adressé un message de soutien dans notre combat commun pour le Brexit et le Frexit, et je tiens à le lire en ponctu et en conclusion de cette réunion. Il nous a écrit « Brexit is the ultimate expression of the kind of national sovereignty that General de Gaulle understood. It's the very expression of democracy that he fought to preserve. » Ce qui veut dire en français « Le Brexit est l'expression ultime du type de souveraineté nationale tel que le comprenait le général de Gaulle. C'est l'expression même de la démocratie qu'il se consacra toute sa vie à se battre pour préserver. » Et Lord Tabet continue en disant « But it is not something that we aspire to jealously guard for ourselves. We want to share our new liberty with our old friends. Join us in our escape from the Bastille of Brussels. We shall eat cake together in freedom. » Ce qui signifie « Mais ce Brexit n'est pas quelque chose que nous voulons garder jalousement pour nous-mêmes. Nous voulons partager cette nouvelle liberté que nous sommes en train d'acquérir avec nos anciens amis. Rejoignez-nous dans notre volonté de nous échapper de la Bastille de Bruxelles et puis nous dînerons ensemble au pays de la liberté. » Ce mot très gentil de Lord Tabet nous va droit au cœur et me rappelle une phrase tellement émouvante que Charles de Gaulle écrivit à Winston Churchill le 31 décembre 1941 dans une lettre qu'il lui écrivit. Charles de Gaulle a écrit à Churchill en disant, écoutez bien ça, du fond de son malheur, la vieille France espère d'abord dans la vieille Angleterre. C'est cette amitié franco-britannique que nous célébrons aussi aujourd'hui. Nous devons soutenir les Brexiteurs et les Brexiteurs doivent soutenir les Frexiteurs, c'est-à-dire l'UPR. Pour conclure, eh bien je vous invite, chose sans doute sans précédent pour un 1er mai à Paris, nous allons entonner les deux hymnes nationaux et en particulier, chose je pense sans précédent pour un 1er mai, nous allons d'abord commencer par l'hymne national britannique, le God Save the Queen, pour lequel je vous demande le plus grand respect, et ensuite nous entonnerons ensemble la Marseillaise. Je vous remercie de votre attention. God save our gracious King.
le Royaume-Uni! Vive la France! Vive la République française! Et vive l'amitié franco-britannique! Merci à toutes et à tous!